RTNC, la grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h qui fera la ronde de l'actualité en République démocratique du Congo. Le président de la République s'est adressé hier à la nation à l'occasion de la 62e anniversaire de l'indépendance. Dans ce journal, nous vous proposons un extrait dans le volet sécurité. La célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos voeux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Toujours à l'occasion de cette fête de l'indépendance, le gouverneur du Lualaba a organisé un culte d'action de grâce avec les forces vives de la province au stade Dominique Diour de Kolwezi. Elle a, Fifi Masuka, consacré les forces armées de la République entre les mains de Dieu sur le M23. Des Lualabé qui ont fait le déplacement du stade Dominique Diour de Kolwezi. Les confessions religieuses, les partis politiques, les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, ont répondu nombreux à l'appel de la gouverneure intérimaire du Lualaba au stade Dominique Diour pour participer au culte de soutien aux forces armées de la RDC et à leur commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À son arrivée, Marie-Thérèse Masuka Saini a été accueillie avec pompe. Elle a commencé par faire le tour du stade. On pouvait lire une joie immense sur tous les visages de ses administrés venus l'encourager pour ses énormes réalisations infrastructurelles. Les sénateurs, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ceux de l'exécutif provincial et les membres du Conseil provincial de sécurité étaient de la partie. Les responsables des confessions religieuses ont eu le temps de prier à tour de rôle sur les FRDC, le président de la République et toutes les institutions du pays, sans oublier le gouvernement provincial. Le moment ayant attiré l'attention de tous était la prise de parole de Marie-Thérèse Masuka Saini sous un ton d'affliction. Elle a adressé une forte prière à Dieu en faveur de l'autorité suprême du pays, des forces armées de la RDC, surtout les femmes et enfants victimes de toute forme d'atrocité imposée par cette guerre d'agression du Rwanda via les forces terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu.
Et puis en Ituri, le directeur général adjoint de l'office de voirie et drainage a rencontré le gouverneur militaire. Il était question d'évaluer le travail exécuté par cette entreprise à Bounia. Province de l'Ituri. Le directeur général adjoint de l'office de voirie et drainage OVD a inspecté ce vendredi 1er juillet le différents ouvrages construits à Bounia par cette entreprise publique sur financement du gouvernement central et provincial. Mis à part les ouvrages construits, d'autres chantiers de l'OVD ont été aussi visités. Vraiment, c'est un motif de satisfaction. Je crois que l'ouvrage que nous voyons derrière nous respecte les normes et l'art dans la construction des ouvrages d'intérêt public. Peu avant cette descente sur terrain, Pico Mouépou, le numéro 2 de l'OVD, a été reçu par le gouverneur militaire de l'Ituri. Occasion pour lui de réaffirmer la détermination de cette entreprise publique de continuer d'entreprendre des actions en Ituri. Que la population puisse faire confiance au chef de l'État et au gouverneur militaire qui est à leur disposition. On ne s'occupe pas seulement de la guerre, c'est pourquoi nous sommes là. Nous nous occupons aussi de la vie de la population et améliorer la fluidité, la circulation dans la ville de l'Ituri et dans la ville de Bounia et dans d'autres villes de la province. Notons que ces différents ouvrages visités par Pico Mouépou, directeur général adjoint de l'OVD, ont été construits en 2020 et 2021. Il faut dire que la ville de Bounia constitue la troisième étape de sa mission après Kisangani et Isiro. Quittons l'est de la République pour le centre. Le secteur de Bapende, dans la province du Kasaï, vient d'être réhabilité en infrastructure administrative, une réalisation pour mettre dans de bonnes conditions le travailleur de l'administration publique de ce coin. Le secteur Bapende, dans la province du Kasaï, et autres autorités traditionnelles travaillaient dans un bâtiment vétuste construit à l'époque coloniale. Cette situation avait un impact négatif sur le fonctionnement de ce secteur, voire son développement. Touché, l'élu de Chikapa, l'honorable Guy Mafuta, a doté ce secteur d'un bâtiment moderne et équipé avec les matériels des technologies de pointe. C'est pour répondre au souci du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de moderniser la territoriale du pays. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends hommage lors de sa dernière adresse à la nation devant le Congrès, a réaffirmé avec force que le développement commence par la base. C'est une approche que je partage avec lui. Action très saluée par la population, ce qui justifie la présence d'une quarantaine de chefs coutumiers de la province du Kasaï à la cérémonie. Ils ont exprimé leur gratitude. De toute la législature passée, jamais un élu n'avait osé penser construire les bâtiments administratifs du secteur qui est notre. Maître Jim Afuta Kabongo mérite le nom du Munayala Koshi Apende. Il a été décoré des attributs du pouvoir pour sa détermination au développement de la province et surtout à défendre les intérêts de la population du Kasaï. Travailler dans de bonnes conditions va booster le développement de ces secteurs de la province du Kasaï, car les conditions propices sont une inspiration pour des projets de développement. Plusieurs écoles publiques de l'État sont abandonnées dans la ville de Kananga, faute du délabrement des infrastructures. Grâce à un financement de la Banque mondiale, ces écoles, visitées hier par le gouverneur John Kabea, seront reconstruites. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC Kananga. Ces enfants en âge scolaire des infrastructures adéquates pour leur assurer une formation pédagogique de taille, John Kabea Shikai a effectué une visite éclair au complexe scolaire Athénée Royal de Kananga où fonctionnent l'Institut Kananga 1, Institut pédagogique de Kananga, ITC Kamai, l'Institut d'études sociales, l'Institut d'Ikujetu et une dizaine d'écoles primaires fermées depuis bientôt 2 ans pour raison des réhabilitations de toutes ces écoles d'avant l'indépendance et qui devront subir une couche de jouvence grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. L'arrivée à Kananga des experts de cette institution financière internationale est en effet le bouton déclencheur de cette démarche de l'autorité provinciale qui a parcouru toute la concession du complexe avant de révéler à la presse l'imminence des travaux afin que nos élèves du secondaire et du primaire, sous-logés dans certains établissements de la ville, puissent enfin regagner leurs instituts et collèges pour un meilleur encadrement pédagogique éprouvé.
John Kabeyashikai nous en parle. L'Athénée de Kamaï, il y a déjà un projet de la Banque mondiale. Je devais m'inquiéter de la situation parce qu'il faut indemniser certaines personnes qui ont construit dans les terrains athénais. Alors, nous avons commencé à faire des tours de la concession pour voir qui sont appelés à être indemnisés et qui ne sont pas. Soulignons qu'à son arrivée, la population de Kamaï s'est spontanément mobilisée pour lui réserver un accueil sans précédent, l'accompagnant tout au long de sa visite sur les sites du complexe Athénée Royal de Kananga. Après sa prise de pouvoir à la tête de la province du Congo central, le nouveau gouverneur Guy Badou a présenté sa feuille de route pour le développement. Parmi les projets, la construction des infrastructures routières en première position. Françoise Bouéla pour le reportage. Changement en commande pour piloter le secteur des infrastructures dans le Congo central. Le nouveau commissaire général Mbadou Léopold a officiellement pris ses fonctions le mercredi 29 juin 2022 à Matadi. Né à Tchiela en mai 1968, le nouveau patron de travaux publics et reconstruction au sein de l'équipe du gouverneur Guy Bandou est détenteur d'un master en gouvernance sécurité et défense nationale de l'université de Kinshasa. Il remplace à ses postes Samine Tseboa, passation de pouvoir après la signature de procès-verbaux en présence du secrétaire général adjoint Albi Konda. L'ancien étudiant de l'UNBTP dit avoir les épaules larges pour accomplir avec loyauté sa mission quand on sait que le nouveau gouvernement provincial du Congo central, dans son programme d'action, donne priorité aux routes qui se connectent à la route nationale numéro 1. La réhabilitation de routes, des dessertes agricoles, la relance d'une politique agressive pour renouveler les voies ferrées, notamment pour la remise en circulation du train Bomachela, démantelé en 1984. Le plan prioritaire prévoit aussi la construction de ponts d'urgence, la meilleure gestion des retombées du péage, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux, des écoles et des infrastructures sportives. Une politique ambitieuse que doit conduire avec maîtrise cet homme qui a le goût de la lecture et de l'écriture. En 2019, Léopold Mbadou a publié un ouvrage intitulé « Félix Tshisekedi, gouvernance géostratégique et secret d'histoire » aux éditions Congo Time. Au Congo central, toujours, il y a eu la pose de la première pierre pour la construction d'un centre hospitalier à Bumba par le parti d'Alliance pour la paix. Ce parti a également sensibilisé la population sur l'amour de la patrie. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC dans les territoires de Madimba, province du Congo central, a été marquée par une ambiance festive pour honorer la mémoire du tout premier premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, et de Simon Kimbangu, des modèles de patriotisme à suivre. Le président de l'Alliance des Paix pour la démocratie et le développement, APDD, a aussi profité de cette occasion pour implorer la grâce divine en faveur des compatriotes de l'Est en proie à l'insécurité et à la guerre d'agression, tout en réitérant le soutien total aux forces armées congolaises et au commandant suprême du FARDC et de la police, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un autre fait qui a marqué ces festivités du 30 juin à Madimba, c'est la présentation officielle de la maquette d'un centre hospitalier moderne et d'une morgue en Bouba, village situé sur la nationale numéro 1, non loin de Kisantu. Une initiative de la formation politique l'APDD. Kaya Kinzonzi, président de l'APDD, a sensibilisé la population des villages Mbouba et les environs à l'amour de la patrie, à l'instar de nos héros. 62 ans, cette reconnaissance au niveau international de cette libération. Et quand nous avons senti la démographie de Mbouba dans le territoire de Madimba, les gouvernants pour qu'il y ait la paix dans ces beaux pays, le cadre de bon voisinage, mais ce n'est pas que les gens viennent nous imposer la guerre. Ces projets de construction d'une formation médicale prouvent l'attachement de Kaya Kinzonzi au bien-être communautaire. Car grâce à ce centre hospitalier, Mbouba fera appel à l'eau et à la régie des eaux pour alimenter les services en eau potable et desservir la population.
Conformément à la Constitution de la République, les assemblées provinciales de la République ont clôturé la session parlementaire de mars. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri a rappelé les grandes réalisations de cette assemblée provinciale. Reportage de nos confrères de la RTNC Ituri. Sérieuse, exécutif et l'Assemblée provinciale du Haut-Uele, le gouverneur Christophe Bassian Enanga vient rehausser de sa présence cette clôture de la session de mars. Il reçoit ici ses honneurs par la police nationale congolaise avant d'être accueilli soudainement par ses groupes d'étudiants scandant des chansons affectives pour lui. Mise en place terminée ici dans la salle des plénières, le rapporteur adjoint présente le rapport global de la session avant le discours attendu du président de l'Assemblée provinciale qui fait observer une minute de silence en mémoire du premier ministre Patrice Lumumba dont les restes ont été rapatriés au pays. Et dans la foulée, le numéro 1 de l'organe délibérant ne dévie pas la question de l'agression rwandaise. S'agissant de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, notre beau pays, nous avons tous une mission de défendre notre patrie menacée par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Qu'il plaise ici à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de recevoir l'expression de notre indéfectible engagement et soutien total comme commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale. Tout notre soutien à vous, brave FARDC, pour votre détermination à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Chers compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri, l'Assemblée provinciale du Haut-Uele et toute la population qu'elle représente vit avec vous en esprit, en parole et en action. La République démocratique du Congo restera indivisible. Dans une stabilité des cohabitations interinstitutionnelles appréciable par la majorité de la population, pour le développement de la province du Haut-Uele, la session tombe ses rideaux à la satisfaction des élus provinciaux avec un bon bilan des contrôles parlementaires exercés. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de l'Assemblée provinciale du Haut-Uele, cérémonie similaire au Lualaba. 2022 a été amplement chargé à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ceci ressort de la mercuriale de l'honorable président Louis Kamouni Ntumbo. Ainsi, il a affiché le bilan des activités au sein de cette institution en trois points, à savoir la législation, le contrôle de l'action gouvernementale, la représentation et le renforcement des capacités. Pour la législation, 5 propositions d'édits ont été analysées, adoptées et transformées en édits en termes d'instruments de travail qui contribuera à la bonne gouvernance. C'est notamment l'édit sur l'assainissement environnemental et celui sur la gestion des conflits dans la succession des chefs coutumiers. La présente cérémonie marque le début des vacances parlementaires. Comme il est de coutume, cela sera l'occasion de se rapprocher de nos bases avec d'écouter leurs doléances et leurs préoccupations. Par ailleurs, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, au nom de la représentation provinciale et au mien propre, je souhaite à toutes et à tous des joyeuses festivités dans la modération, l'unité et la solidarité. Au cours de cette même session, les séances plénières ont permis de contrôler les actions du gouvernement provincial avec des recommandations idoines. Le contrôle des entités territoriales décentralisées n'a pas été du reste. Les différents rapports y afférents sont attendus. Signalons que Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini ainsi que 2 sénateurs ont pris part à cette cérémonie de clôture. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Poursuivons avec l'actualité. L'organe délibérant de la province du Maniema a procédé à l'évaluation de la session de mars. Sa présidente Gertrude Kiembo s'est dite satisfaite du travail abattu. L'Assemblée provinciale du Maniema se félicite du travail parlementaire abattu par les élus provinciaux lors de la session législative de mars 2022. D'après l'honorable Gertrude Kiembo, présidente de cet organe délibérant provincial, durant cette session, son institution a produit des édits,
bien que certaines propositions d'édits sont dans les différentes commissions. La Commission électorale nationale indépendante a organisé les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs dans la province du Maniema. Ces élections se sont déroulées dans la quiétude la plus voulue, dans le respect des normes établies en la matière, et les honorables députés du Maniema ont porté leur choix sur les tickets de l'Union sacrée de la nation, en référence les candidats Kishabongo Rajabu Kinanda Hibert et Tsuma Yafal Bernard ont été élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maniema. Après cette victoire de ces tickets-là, une vague de contestations a commencé à la cour d'appel du Maniema, puis au Conseil d'État. L'honorable Gertrude Kitembo plaide pour l'implication personnelle du président de la République pour que les Maniema aient des dirigeants élus et légitimes. Le gouverneur Kalenga Mushimbi a pris aussi possession du pouvoir dans le Olomami. Il a axé son programme du gouvernement sur les piliers, à savoir la politique économie sociale. Du Olomami a procédé ce mardi 28 juin 2022 à Kamina à l'approbation du programme d'action du gouvernement et à l'investiture des ministres provinciaux du Olomami. Cette équipe gouvernementale est composée de 10 ministres et 3 commissaires généraux, dont 2 femmes. Selon Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, il est temps de s'occuper de la reconstruction de la province. Elle a axé son programme d'action sur 3 piliers, à savoir politique, économique et sociale. Et un vibrant hommage le plus déférent au président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Fatih Beton. Et pour le bien-être du peuple congolais, je remercie les autorités de l'Union sacrée de la nation. Le domaine politique, le domaine est essentiellement celui qui soit à l'origine de la fondation et de la restauration de l'autorité de l'État. Le domaine économique. Il va s'agir ici du financement des infrastructures d'intérêt général. L'essentiel étant le domaine par excellence, où la population y trouve son compte par des actions à impact visible. Une étape réservée aux réponses du gouverneur sur la dizaine de questions posées par les élus provinciaux a permis au gouverneur de réserver des réponses appropriées, réponses qui ont convaincu les élus du peuple. Les résultats des votes se présentent comme suit. 25 députés ont voté oui. Après avoir approuvé les programmes d'action du gouvernement par les votes individuels, nous passons maintenant à l'approbation de ces programmes d'action de manière unique. Qui disent oui, qui disent non, abstention est approuvée à l'unanimité. Signalons que le gouvernement Mushimbi hérite d'une province confrontée à plusieurs défis à relever. Les projets de construction des infrastructures sont déjà en marche dans la province du Kasaï central. Hier déjà, le gouverneur de province a lancé le travaux de construction de l'université de Kananga. Le directeur général de l'Institut supérieur de technique médicale de Kananga, ISTEM Kananga, professeur Malou Kankou, ainsi que son comité de gestion, se disent satisfaits du travail abattu pendant 6 mois depuis qu'ils sont à la tête de cette institution à Kananga, au Kasaï central. À lui d'ajouter que quelques réalisations ont été déjà faites à son site de Tubuluku et bientôt la construction d'un bâtiment administratif où les travaux ont été lancés vendredi dernier. Vous signalez que les rubriques qui sont prévues par l'État ont été bien respectées. Nous avons payé déjà du côté des étudiants, 300 bancs pour qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Nous avons fait le pavement de 2 bâtiments qui étaient encore en construction. Nous avons bien arrangé pour qu'ils étudient encore une fois d'une manière convenable. Signalons que l'ISTEM Kananga, par le biais de son directeur général, professeur Malou Kankou, ne gire que par l'excellence et un bon enseignement
selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée se poursuit au Kwilu. Le gouverneur de province a invité les chevaliers de la plume à jouer pleinement leur rôle de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme. VIP des Majestic Hotel a servi de cadre ce mardi 28 juin 2022 pour l'organisation d'un point de presse. Un face-à-face du gouverneur de la province du Kwilu et le média. Ceci à la veille du lancement de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à l'insecticide à longue durée d'action, couplée au dénombrement. Occasion pour Willy Itundal Hassan, gouverneur de la province du Kwilu, d'inviter les chevaliers de la plume de jouer pleinement leur rôle dans la réussite de la dite campagne. Le patron de l'exécutif provincial du Kwilu n'a pas caché sa satisfaction de voir sa province bénéficier de cette dotation du gouvernement central avec l'appui des fonds mondiaux par l'entremise des Luman, Sanrou et PNLP. Messieurs, mesdames de la presse, c'est une joie, une grande responsabilité pour moi de voir ma province bénéficier des moustiquaires imprégnés d'insecticides attendus depuis 2020. Une joie parce que ma population va dormir calmement sous cette moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Les statistiques révèlent qu'en 2021, plus de 880 000 personnes ont été atteintes du paludisme. Vous connaissez également les méfaits de cette pandémie dans nos communautés. Signalons que tout s'est passé dans une ambiance conviviale. La protection de la femme et l'enfant, ainsi que la promotion de la femme vers son autonomisation et lutte contre les violences sexuelles, des sujets au centre des échanges entre la ministre du genre famille et enfant et le ministre belge André Flahault. On l'écoute au micro de nos reporters. C'est une dimension symbolique, parce que souvent des missions viennent de Belgique ou d'ailleurs ici au Congo, et on ignore encore qu'il existe de façon tout à fait spéciale un ministère du genre. Et je crois que c'est là une ardeur d'avance en quelque sorte par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de pays. Une attention particulière sur la situation de la mère, la situation de la femme, la situation des enfants, et dans les contextes actuels, que ce soit au niveau national ou international, les femmes et les enfants doivent être l'objet de nos premières préoccupations. Mais les femmes sont souvent les premières actrices, en quelque sorte, de la résolution de conflits, que ce soit au niveau international ou même au niveau interne, parce qu'elles ont une préoccupation du bien-être de leur famille, du souci de la bonne éducation, de la bonne alimentation, qui sont les besoins primaires. Et comme elles sont aussi souvent un esprit, plus pragmatique, je crois que c'était important. Et en passant ici, c'était aussi une volonté de faire connaître en Belgique l'existence du ministère du genre ici en République démocratique du Congo, et de tenter aussi d'établir des liens de partenariat et de coopération. En marge de la journée mondiale du froid, les acteurs de la réfrigération et la climatisation se sont retrouvés à l'Institut national de préparation professionnelle pour réfléchir sur le métier du froid. Les experts africains ont participé à ces échanges par vidéoconférence, nous dit Néné Maïzana. Du froid. C'est autour de ce thème qu'est célébrée cette année la 4e journée mondiale du froid. À Kinshasa, les professionnels du froid et de la climatisation se sont retrouvés à l'Institut national des préparations professionnelles pour échanger et réfléchir sur l'avenir de leur coopération. Ils ont sollicité par la même occasion l'accompagnement du gouvernement congolais dans l'élaboration d'un plan stratégique de la chaîne du froid en République démocratique du Congo. Qu'on ne peut pas s'en passer
et du froid. Parce que le froid nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Un homme qui est en vie, il a besoin du froid pour vivre dans de bonnes conditions. Un homme mort, il a besoin du froid pour qu'il soit conservé, bien conservé. Il faut qu'il y ait le froid pour que le froid puisse refroidir, puisse bien conserver les histoires que nous sommes en train de manger. Nous organisons des sessions de formation pour que nous ayons des techniciens qui sont aptes à la nouvelle technologie. Le froid, c'est un métier, comme le journalisme est un métier. Un technicien frigoriste, ce n'est pas seulement qu'il va dépanner, il y a des installations à faire. Il faut savoir faire des installations dans les normes, c'est là où l'art intervient. D'autres experts africains ont intervenu à distance par vidéoconférence pour répondre aux préoccupations des participants et aux questions des professionnels des médias. L'Association congolaise des professionnels des foie est membre de l'Association africaine des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, dont l'un des objectifs est le renforcement des capacités des frigoristes sur les bonnes pratiques en matière de foie. Ceux qui suivent la politique du Congo vont certainement la reconnaître. Juliette Mougolé, ancienne ou députée honoraire de la législature 2006, a produit un album, un maxi single de gospel qui sera présenté dans le 6 août 2022. Jojo Ndibou nous explique le contenu de son album. La paix en Afrique et plus particulièrement en RDC a inspiré Juliette Mougolé, députée honoraire, à produire un maxi-single contenant 5 titres, dont le clip Africa Amneki, un featuring de stars Queen Mougolé et Jean Goubal. Les journalistes chroniqueurs de la ville-province Kinshasa ont voulu en savoir un peu plus sur ce nouveau maxi-single qui sera dévoilé dans le tout prochain jour. Ils ont interrogé la chanteuse gospel qui s'est exprimée en ces termes. Le maxi-single de 5 chansons composées pour l'éveil patriotique contre la guerre, contre la non-émergence économique du Congo et de l'Afrique, contre la non-conscience du fait que le Congo devrait être le leader de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'était une opportunité pour moi, comme dans les chansons que nous venons de présenter aujourd'hui, on a parlé de l'éveil des consciences du peuple africain. Cette séance des questions-réponses, après avoir écouté les sons et visionné les clips Africa Amneki, a fini par mettre tous les chroniqueurs présents d'accord du travail de titan réalisé par la chanteuse gospel Juliette Mougolé, dont la sortie officielle est prévue le 6 août 2022 au fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Africa. La conservation Congo Culture 3C a organisé un jury pour évaluer le travail abattu par le personnel de la RTNC. Le travail a été sanctionné par un diplôme de mérite d'excellence. Reportage. C'est une symbolique simple mais pleine de valeur. Des diplômes de mérite et d'excellence octroyés à quelques agents et cadres de la Radio-Télévision Nationale Congolaise sélectionnés par le jury de 3C, entendez l'ASBEL, Conservation Congo Culture, que dirige Noé Kouété Tshingoma, vaut la reconnaissance. La cérémonie des remises a été organisée en présence de plusieurs corps journalistiques. Le directeur général de la RTNC Belide Bunga, représenté par son assistant Romain Mboutanzenga. Après le mot d'ouverture du secrétaire de l'ASBEL 3C, l'historique de la rumba congolaise a été présenté par le sous-directeur Dieudonné Yangumba et le langue nationale, avec Marcel Mbouéboué. Le deuxième temps fort était consacré à la diffusion et la promotion de la rumba congolaise dans le monde entier avec le concours de la RTNC. Les diplômes de mérite et d'excellence destinés au directeur général de la RTNC a été réceptionné par son assistant devant le directeur de langue nationale, Martin Mambou, Nkoyiba Timba et Dake Maomba. Le sous-directeur Dieudonné Yangumba a reçu les prix pour la rumba congolaise. Ensuite est venu le tour de plus de 40 agents et cadres à qui un diplôme d'encouragement a été octroyé pour le travail abattu. Notez que le deuxième prix pour la rumba congolaise, connu à travers l'émission Caribou Variété, décerné à Mami Ilela, double brassard de la cérémonie. Pour clôturer la manifestation, Romain Mbouta a, au nom du directeur général, à l'intérim de la RTNC, remercié l'ASBEL 3C
pour l'initiative et la reconnaissance du personnel. Un honneur pour la RTNC. Les DG me chargent de vous dire félicitations. Félicitations parce que vous accompagnez les chefs de l'État. Félicitations parce que vous accompagnez le gouvernement. Félicitations parce que vous accompagnez notre ministre des Titres et lui-même, dont moi je représente ici. Par rapport à vos émissions, à tout moment, il reçoit des coups de fil, de félicitations, et nos téléspectateurs lui donnent encore des idées pour que vous puissiez élargir le champ d'action dans vos émissions de langue nationale. Il est fier de vous. Il est fier de ce que vous faites. Il est fier de vous accompagner. Les bonnes œuvres sont toujours porteuses de bonne odeur dans la société. Kinshasa va recevoir en fin juillet prochain les travaux de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Le ministre de l'Intégration régionale a exposé l'évolution de préparatifs au Conseil de ministres ce vendredi, présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Reportage Patrick Michel Moukoui. Vendredi, dernier jour ouvrable de la semaine et une opportunité de plus pour le garant de la nation de planifier, décider et agir au profit de son peuple. Les membres du gouvernement sont le premier à rejoindre la Cité de l'Union africaine ce jour. Progressivement, les habitudes de réunion en présentiel reprennent pour les membres du gouvernement. La Covid-19 se maîtrise, mais pas question de baisser la garde face à la pandémie. Pour des discussions qui dépassent généralement l'heure, le protocole sanitaire est de stricte application. Tous les membres du gouvernement sont passés par un test rapide avant de rejoindre la salle de réunion. Certains ministres profitent du moment d'installation pour échanger sur des dossiers qui les concernent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visiblement très heureux de revoir physiquement ceux qui ont la charge de traduire sa vision en actes, s'est installé et donné le temps des discussions autour de questions essentielles liées à la gestion du pays. Outre la communication du chef de l'État, les points inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés après plusieurs heures d'exposés et discussions. Les ministres de la Culture, des Sports, celui de la Défense, comme le ministre de l'Intérieur, ont soumis à examen et appréciation du Conseil des dossiers pour une possible adoption. À titre d'exemple, celui de la 21e session ordinaire de la Conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC prévu en ce mois de juillet, exposé par le ministre de l'Intégration régionale. Le directeur de cabinet du président de la République et le Premier ministre ont pris part à cette réunion. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement est chargé de faire l'économie de cette réunion du Conseil de ministres, la première de la seconde moitié de l'année. Voilà, en direct de la Cité de l'Union africaine, nous allons prendre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui va lire le compte rendu de la 60e réunion du Conseil de ministres, la première de la deuxième moitié de l'année, comme vous venez de le dire, Patrick Michel Moukoui. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Nous cédons l'antenne à la Cité de l'Union africaine.